Permis, c'est fait. C'est fait. Du deuxième coup, mais c'est fait. Ma mère qui me dit, espèce d'ahmar, t'as pas eu ton permis du premier coup et tout. Tu vois, je les ai eu là, tu vois. Moi, je suis très comme ça, tu sais. J'aime bien avoir tout du premier coup et je suis comme ça, donc... Mais non, maintenant, c'est vrai que ça revient au même. Le papier rouge, je l'ai, donc voilà, c'est normal. Quoi. Dans la réalité, maintenant, c'est que... même si j'ai mon papier rouge, j'ai toujours pas de voiture, quoi. Ça tombe pas du ciel, une belle voiture. Faut bosser, il faut de l'argent, il faut... Et donc maintenant, faut priorité, trouver un taf, une formation qui va me permettre de... Un taf, ça serait bien pour payer tout ce qui est mon loyer et compagnie, mais une formation pour moi aussi, pour mon projet futur d'éducateur et tout, ça serait quelque chose vraiment... Et si je pouvais allier les deux, c'est super, tu vois, c'est super. Le BAFA, c'est pas professionnel. Ouais, c'est... Le BAPAT, c'est le premier niveau de qualification professionnelle quand tu veux travailler dans l'animation sportive. Mmh. Donc c'est à ton niveau scolaire, il n'y a pas de souci. Et après, c'est un tremplin pour toi, arriver après un échelon au-dessus, pour le brevet d'éducateur sportif. Ça te permettrait aussi de te mettre la barre moins haute, toi, au niveau de la pression. Ouais. Et par rapport aussi au fait de la gestion de l'échec, te dire, bah, plutôt que d'y aller très haut tout de suite et puis d'avoir un échec et puis que j'ai du mal à m'en remettre, j'y vais par palier et j'ai plus de chances d'y arriver. Attention, intérêt, désir, action. Aïa, ça veut dire que quand votre CV, votre entretien, vous attirez l'attention de l'autre. Le CV, il doit être bien, il doit donner envie que l'autre vous appelle. Monsieur, bonjour, monsieur. Bon, voilà. Niette. C'est lui qui vous tend la main, merci. Alors, vous êtes bien arrivé en sourire haute. Alors, c'est bonjour, monsieur, ou bonjour, madame, haute, pas bonjour, parce que ça. Salut. Bah, c'est difficile de mobiliser pendant 2 semaines 17 jeunes sur de la recherche d'emploi alors qu'ils reviennent du Bénin à travailler CV, lettre de motivation. C'est. Je trouvais qu'il y avait un décalage et je pense que ça leur demandait vraiment même de rebondir de nouveau sur quelque chose qui était pas trop concret. Ce qu'ils voulaient là, c'était un boulot. Les techniques, je pense qu'elles auraient dû, on aurait dû les bosser plus tôt et aller vraiment là dans le concret. On n'était pas assez concret par rapport à tout ce qu'ils ont fait de concret durant la formation. Là, c'était justement le soufflet avait tendance un peu à retomber quoi. Secrétaire. Pour vous, quel est le problème, quelle est la difficulté à surmonter? Français. Français. Français écrit, français parlé. D'accord. Mais ça veut dire que pour vous, ça va être difficile parce qu'une secrétaire, c'est quelqu'un qui maintenant se recrute au niveau Bac plus 2 à peu près, hein, BTS. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui manie le français parfaitement, à l'écrit, à l'oral, sans faute d'orthographe, qui sait faire des lettres, qui sait comprendre un demi-mot, qui sait manier plein de choses. On est d'accord, ça veut dire un boulot très très important. Prête à le faire, hein? D'accord. Ouais, je signe et je persiste. Bon alors, la décision qu'on prend donc, c'est d'essayer de faire une remise à niveau français en repartant de la base, en partant de la base, et pour ça, une des bonnes solutions, c'est l'école de la deuxième chance à Rony. Vendu comme ça ? Oui. Bon courage. Merci. Moi, le bilan, je trouve, en termes rien que de résultats quantitatifs, super positifs. On est à donc 100% au code, je crois qu'on est à 65% de conduite. Accès à l'emploi, là, on est à 60% de sortie positive. Donc, par rapport au type de public de départ, c'est super intéressant comme résultat. Ça m'a apporté la force de toujours aller toujours plus loin. Tu sais, avant, j'étais un petit peu flemmard. Mais là, comme là, j'ai trouvé ma formation, j'ai tout, quoi. J'ai eu mon permis, j'ai eu... Madame, ton clignotant, il te sert à quoi ? Et d'autre part, au niveau qualitatif, quand on voit au final comment ont évolué ces jeunes, quand j'en discute avec eux, quand tout le recul qu'ils ont pris, ils ont mûri, ils ont vraiment avancé personnellement. J'ai pris mon petit appart, je suis posé et tout. Il manque juste ma petite femme maintenant. Donc voilà. Avis à toutes les femmes, hein. À l'arabe si ça vous intéresse.
suis preneur. Du coup, là, je me dis, bon, ben, ça va jouer après sur toute leur vie, quoi. Il n'y a pas seulement, OK, ils ont le permis, OK, ils ont l'emploi, mais ils ont aussi également beaucoup changé.